Yes! Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Alors, c'était bien. Alors, ça fait quoi de dormir dans le lycée? Ma foi, fort sympathique.
Ils sont très à cheval sur la literie. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et tu fous quoi, toi, là? Hier, on a beaucoup bu. Beaucoup trop, même, je dirais. Et c'est Jules, il me semble, qui nous a enfermés dans le local. Il a failli s'endormir avec nous, mais il est parti et il a fermé à clé. Et t'étais où, toi? Il dormait depuis longtemps dans les vestiaires. C'est moi qui t'ai couché, mon petit. Non, oh, putain. Attendez une seconde. Je suis seul à me poser la question comment on a fait pour finir bourré dans un bal de promo. Dans un lycée public. Il venait d'où, l'alcool? Oh, putain. Complètement vidé. On a réussi à torcher à 6 avec une seule flasque. Hey Arthur, ça va? Ça va mec? Pousse-toi putain. Putain mec, t'as bu combien de litres d'alcool pour arriver à une telle cuite? À ton avis, j'ai une tête en avoir pris combien là? Tu sais que de 2 à 4 grammes dans le sang, tu te tapes le coma éthylique. Comment tu sais ça toi? Barman. Du coup Lloyd, t'as pu prévenir tes parents? Non, mais ça m'empêche pas de vouloir partir. Et toi Bénédicte? Des terrasses. Moi, mes parents sont okay, non mais le lycée vide comme ça, ça me met mal à l'aise. Ah je comprends. Thomas? T'as prévenu tes parents aussi? Ouais, normalement c'est bon. Ça devrait aller, c'est ok. Toi? Oui, je les ai prévenus hier, mais faut pas trop que je tarde quand même. Écoutez, je crois que vous avez pas bien compris la situation en fait. C'est-à-dire que l'impératif là, c'est pas seulement de partir d'ici, c'est de partir d'ici immédiatement et sans que personne ne nous voit. Pourquoi? Ah, mais c'est ton truc de... Non. Hein? Si, c'est ton truc de... Non. Quoi, il part? Ah, porte un peu tes couilles. Non! On parle de quoi là? Stop, est-ce qu'on peut se concentrer s'il vous plaît? On doit partir d'ici et vite. Déjà qu'on perd du temps avec l'autre qui est en téléphone là, elle aurait pu passer son coup de fil à un autre moment, sérieux. C'est bon, c'est ses parents, c'est à peine important. Mais bon, c'est quand même chiant là. Bah t'as qu'à les appeler toi, les tiens. Non, parce que je sais que si j'appelle ma mère, je vais me faire défoncer. À ton avis, pourquoi je veux partir immédiatement? Oh, ça va, je le connais, t'es daronne. C'est quand même la meuf la plus sympa du monde. Eh, écoute, moi je sais que c'est faux alors, hein. Bon, donc tout est bon pour moi. Ma mère veut juste pas que je rentre trop tard. Ok, ça marche. Je dois dire que je suis d'accord sur un point avec Arthur, c'est que plus tôt on sort, mieux c'est. Et ne pas se faire choper par qui que ce soit, ça serait un bonus pas hyper désagréable. Pourquoi? Bah, s'il y a deux qui sont tapés une cuite dans un lycée public dans lequel ils sont endormis, je suis pas sûr que ça passe hyper bien auprès de l'administration. C'est pas faux. Donc on opte pour la discrétion? Ouais. Des idées? Ok, moi, j'ai une idée. On pénètre dans le lycée. On monte au premier étage. On traverse les couloirs. On entre discrètement dans la salle 237. On trouve de quoi ouvrir une fenêtre. On saute par la fenêtre. Et on sort de ce putain de lycée. Tagila. Putain, oh y'a une mouche, ah c'est dégueulasse. Ah, je suis maquillée. Non. Ok, moi j'ai une autre idée. On passe par la porte arrière de la salle des profs. On monte dans la salle des profs. On se met à côté de la loge. Arthur fait diversion. Le concierge se barre. On déverrouille la porte principale. Et on sort de ce putain de lycée. Tagila. Non. T'es sûr? Dommage. Ou alors, on sort doucement du gymnase, on traverse discrètement la cour, on arrive à la grille de secours du lycée, on fait une courte échelle, on passe par-dessus la grille, on atterrit dans la rue, et on se barre de ce putain de lycée. Tagila. Vendu. C'est grand quand même. Ça avait l'air plus petit dans ma tête.
Franchement, ça va. Hein. On aurait dû passer par la fenêtre. Je suis la seule à trouver qu'il fait un peu frisquet là. Bon, bah allons-y. Allez là, je presse. Prenez votre temps surtout. Hein. Touche pas à ça. Mais ça va, t'es le prochain. Ça va, plus vite. Non mais arrête. Mais vite. Vas-y. Putain. Rien. Bravo le professionnalisme, on apprécie tous. Hein. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ah, attendez. Ah, c'est moi. C'est quoi ce bruit? C'est moi. Comment ça? Mec, on est censé être discret. Attendez. On s'en bat les couilles. Ah, c'était ma maman. Oh putain, t'as mal les couilles. Putain, je vais le tuer. Non mais ça va, Bénédicte, on sait qu'Arthur est chiant. Chiant ? Très casse-couille, quoi. C'est minimisé, là. À mon avis, quoi qu'on fasse, on pourra jamais le changer. Il a toujours été comme ça, il sera toujours comme ça. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, toi, Thomas ? Non, me demandez pas mon avis, j'en pense rien. Enfin, faut quand même admettre, hein. Même en soirée, là où t'es bourré, et du coup, tu peux te faire un peu pardonner, le mec arrive quand même à faire chier tout le monde. Mais si, hier, à la soirée, il a passé toute la soirée à parler avec Clara, complètement torchée, et quand on lui demande de quoi il parlait, il t'envoie se faire foutre. Ah mais oui, le grand drama là. Mais tu sais que moi j'ai des dossiers là-dessus. Mais non, vas-y raconte. Il a commencé à boire après avoir parlé avec Clara, non? S'en fout, vas-y raconte Bénédicte. Bon, en gros, Arthur aurait dit des choses à Clara au sujet d'un pote qu'ils ont en commun. Comme quoi, le type serait perdu à être quelqu'un de bien et être détaché de tout. Mais qui hésiterait à être quelqu'un de bien? Je vais aller voir ce qu'il fait. Désolé, j'étais avec ma mère. Maintenant, c'est fini, on peut y aller si tu veux. Ça a été avec Clara hier? Vous avez parlé de quoi? Tu fous de rien, enfin. Espèce de fils de pute! La seule personne à qui je me confiais! Thomas. Ton Thomas, il est parti! T'es bloqué avec moi! T'es une bonne personne dans le fond. Juste que tu l'oublies parfois. Bizarrement, je me donne pas cette impression. Et pourtant, tu fais tout pour l'être. Je peux faire ce que je veux. Je peux tout faire. Fatigué. Je peux plus. Je peux pas. J'ai besoin d'aide. Mais personne ne doit m'aider. T'avais une bonne intention, Arthur. Mais t'as trahi ma confiance. Je te suggère très fortement, à partir de ce jour, de faire de ton mieux pour m'éviter. Tu vas très vite comprendre que ce monde est petit quand on me trahit. Thomas? Oh, Arthur ne viendra pas. Attends, quoi? Je suis défoncé. Oh non, il est au hôtel avec sa mère. Quel enculé. Et on fait comment maintenant? On a fait besoin de lui pour notre plan. Bah maintenant, je vous propose un autre plan. Et? Et bah vous me suivez.
Bonjour. Bonjour. On était au bal de promo. Enlève tes lunettes, s'il te plaît. Désolé. On était au bal de promo. Moi et mes camarades avions oublié nos portables dans l'enceinte du lycée. Donc on est allé les chercher. C'est votre collègue qui nous a ouvert. On veut juste sortir. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away.